Bonjour, c'est Alex de Démentor pour entreprendre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va voir aujourd'hui 7 éléments pour réussir son business plan et obtenir un financement auprès de la banque. Avant de commencer, je vous invite à télécharger mon livre, Les 10 piliers d'une entreprise solide, en cliquant sur le lien qui se trouve au-dessus ou en dessous. Cela dépend d'où vous regardez la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vous donne 7 conseils clés qui vous permettront de réussir votre business plan et éviter quelques erreurs qui compromettent vos chances d'obtenir le prêt ou le financement dont vous avez besoin. Premièrement, c'est un conseil simple, mais il faut faire simple. La langue française vous permet, si vous le souhaitez, d'écrire de manière très sophistiquée. Lorsque vous vous adressez à un banquier, ne cherchez pas forcément à l'impressionner par votre style d'écriture. Faites simple. Votre but est d'être compris, de donner envie et d'inspirer confiance. Votre but est d'obtenir un financement et non pas de montrer que vous maîtrisez les termes et les tournures de phrases les plus compliquées de la langue française. Sauf si vous vous lancez dans un business dont c'est la thématique. Mais sinon, faites simple. Plus vous êtes simple, plus vous serez convaincant. Évitez également les phrases trop longues ou encore trop compliquées. Comme le disait d'ailleurs Léonard de Vinci, la simplicité est la plus grande des sophistications. Deuxièmement, réservez un chapitre qui explique également votre pourquoi vous souhaitez créer votre entreprise. Plusieurs ouvrages ont été écrits sur le thème comment rédiger efficacement son business plan. La plupart de ces ouvrages mettent l'accent sur la stratégie commerciale, le plan de financement, la stratégie de communication ou encore les moyens humains. Néanmoins, très peu d'ouvrages vous disent de parler de vous et de votre motivation à créer cette entreprise plus particulièrement plutôt qu'une autre. Pourquoi souhaitez-vous créer cette entreprise? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous exalte dans ce projet? Pourquoi souhaitez-vous entreprendre? Que souhaitez-vous faire au travers de ce projet, grâce à ce projet? Pourquoi ce projet et pas un autre? Cela me semble important que vous mettiez ces éléments dans votre business plan, que vous livriez un peu plus personnellement. C'est d'ailleurs peut-être le seul endroit dans votre business plan où vous pouvez un peu, entre guillemets, susciter une émotion positive, j'allais dire affective, mais positive chez votre interlocuteur. Le banquier a besoin de vous connaître aussi, de savoir sur qui il investit et il va prendre un risque de prêter son argent. Et sans ça, votre business plan est un document quelque part sans âme, sans saveur, sans odeur, un business plan parmi tant d'autres. Sans ça, vous ne sortez pas de la masse, vous ne vous différenciez pas et vous ne marquerez pas les esprits. Bien sûr, vous pouvez avoir un excellent dossier sans pour autant avoir un chapitre qui explique vos raisons et votre envie d'entreprendre. C'est vrai. Mais en faisant cela, vous enlevez un levier puissant, si c'est bien fait, qui permet de convaincre, de fédérer le banquier à votre projet. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais que convaincre, c'est avant tout susciter des émotions chez son interlocuteur. C'est toucher le cerveau primitif, comme l'explique Patrick Renvoisé dans son livre Neuromarketing, le nerf de la vente. Et vous pouvez le faire dans votre demande de financement en insérant un chapitre ou un paragraphe dédié à vous et à expliquer pourquoi vous créez cette entreprise. Qu'est-ce qui vous anime? Sans compter que si votre demande de prêt dépasse un certain montant, le banquier qui vous reçoit n'a pas le pouvoir de décision finale. Il donnera son avis, mais votre dossier est alors remonté au niveau au-dessus où il sera analysé à froid par un analyste de banque qui jugera la viabilité de votre projet. Celui-ci donnera son avis favorable ou défavorable sans jamais vous avoir vu. Bien sûr, parler de soi et de sa motivation est important pour convaincre, mais cela ne fait pas tout non plus. Dans les points suivants, je vous explique les éléments également importants que vous devez avoir pour convaincre et obtenir votre financement. Le troisième point, votre business plan ne doit pas être un pavé. Et vous devez également soigner sa présentation. Normalement, votre dossier ne devrait pas excéder 20 pages, la vingtaine. Ce n'est pas un roman que vous écrivez. S'il est trop long, personne ne le lira. 20 pages suffisent normalement pour expliquer ce que vous voulez faire. Soignez
surtout ce que l'on appelle le teaser de votre document. C'est ce qui va donner envie à votre lecteur de lire la suite. Votre document doit également respecter le béaba de tout document professionnel. Une police agréable à lire et facile. Un document aéré et si possible des illustrations, un sommaire, etc. Quatrième point, ayez des chiffres certes attractifs, ça c'est important, mais réalistes également. Pour que votre dossier intéresse le banquier, vous devez trouver le juste équilibre entre une perspective attractive et réaliste. En gros, vous devez montrer que le banquier pourra se faire de l'argent et qu'il pourra gérer des flux financiers intéressants grâce à votre entreprise. Mais restez réaliste. Si d'emblée vous dites que vous allez gagner 50 millions dans 2 ans, alors que vous n'avez jamais fait vos preuves, ne vous étonnez pas si votre banquier ne vous accorde pas le financement. Donc, vous devez avoir quelque chose d'attractif, mais réaliste aussi. Ayez aussi un prévisionnel qui montre également une perspective d'autofinancement, ce qu'on appelle la CAF, assez rapide. C'est-à-dire que vous pourrez croître au bout de quelques années uniquement grâce à ce que vous dégagerez comme résultat sans avoir besoin de solliciter de nouveaux financements. Plus le banquier verra que vous pourrez être rapidement autonome sans aucune autre aide, plus il se sentira rassuré et sécurisé dans le fait de vous accorder un prêt pour vous lancer. Cinquième point, ayez des compétences attendues pour réussir votre projet et faites-les ressortir. Les banquiers savent que, surtout dans les premières années de l'entreprise, l'entreprise reposera essentiellement sur vos épaules. Vous devez donc lui montrer que vous avez les compétences attendues pour réussir votre projet. Si vous n'avez aucune compétence ou aucune expérience dans le domaine où vous vous lancez, ne soyez pas étonné non plus que votre banquier ne vous suive pas. N'oubliez pas, votre but, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci, votre but est de toujours rassurer le banquier. Si vous avez effectivement les qualités, les compétences, les expériences attendues pour réussir votre projet d'entreprise, que celui-ci est cohérent, faites-les ressortir de manière explicite, valorisez-vous, mettez vos compétences en avant. Sixième point, prévoyez des charges réalistes également et un salaire décent. Certains créateurs d'entreprises, lorsqu'ils présentent leur dossier à un banquier, donnent des chiffres qui ne représentent pas la réalité afin de donner l'impression d'avoir peu de charges et de dégager ainsi une rentabilité affichée plus importante et plus rapide. Par exemple, ils vont mettre dans leur dossier qu'ils ne prendront pas de salaire pendant les 2 premières années alors qu'ils ont 2 enfants à leur charge et un crédit à rembourser pour leur maison. Ou encore, ils vont mettre des charges fixes bien trop basses par rapport à la réalité et au marché. Les banquiers ne sont pas dupes et ils sont également vigilants sur ce point. Ils ne prendront pas le risque financier de financer une création d'entreprise où l'entrepreneur dit qu'il ne prendra pas de salaire pendant 2 ans alors qu'il a des charges personnelles à couvrir. Ils savent que ce n'est pas réaliste et ils ont par ailleurs un devoir, normalement, de conseil vis-à-vis de vous. Vous pouvez dire que vous ne prendrez pas de salaire uniquement si vous montrez que vous avez des sources de revenus extérieurs qui pourront vous assurer un revenu qui couvre vos besoins personnels. Sinon, c'est contre-productif d'annoncer que vous ne prendrez pas de revenus pendant les premières années. Et à l'extrême opposé, vous ne devez pas non plus annoncer un revenu trop important qui plomberait votre entreprise. Le banquier ou un investisseur aussi se dira alors à juste titre qu'il ne finance pas une entreprise, mais votre train de vie. Septième point, ayez un ensemble cohérent. La cohérence de votre dossier amène le banquier à crédibiliser votre projet. Il aura alors plus confiance en vous. L'ensemble de votre business plan doit donc tenir la route tout en étant financièrement intéressant. Vous devez montrer que votre positionnement est viable, que vous avez un marché potentiel, que votre stratégie commerciale est viable, que votre plan de financement tient la route, que vos moyens humains engagés soient en adéquation avec votre projet et les chiffres que vous annoncez, etc., etc. Bref, que vos ventes prévisionnelles puissent couvrir l'intégralité de vos charges. On parle souvent de points de différenciation en école de commerce ou ailleurs. Bien évidemment, c'est important.
Mais j'ai remarqué que ce n'est pas indispensable pour obtenir un financement. Au contraire, cela peut même être contre-productif pour obtenir un financement auprès d'une banque. Un investisseur, c'est un peu différent. Pour un banquier, si vous êtes trop innovant, vous ferez même peut-être fuir les banques qui ne voudront pas avancer avec vous. N'oubliez jamais que le mot d'ordre avec les banquiers, c'est rassurer. Ils ont donc besoin de points de comparaison possibles avec des entreprises existantes qui font la même chose que vous. Trouvez donc des points de différenciation à exposer, mais qui ne soient pas trop innovants non plus. Ceux qui ont un peu d'expérience dans le domaine le savent. Un business plan n'est, disons les choses, jamais la réalité, ou très rarement. Vous aurez les chiffres que vous allez annoncer, et les banquiers le savent aussi. Par contre, ils se baseront sur la cohérence de votre projet, son réalisme, pour savoir si oui ou non votre projet tient la route et s'ils vous suivent ou pas. Il est donc important que vous trouviez le juste équilibre dans ce que vous annoncez. Ni trop, car dans ce cas-là, le banquier n'y croira pas, ni pas assez, car dans ce cas-là, vous ne donnez pas envie au banquier de vous suivre. Enfin, si vous avez déjà des précommandes ou même des commandes fermes de la part de clients, dites-le. Cela apporte une crédibilité supplémentaire à votre projet. Cela appuiera vos dires et cela rassurera également le banquier. Il saura alors que ce que vous dites, ce que vous annoncez, ce n'est pas que du vent. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger gratuitement votre exemplaire du livre Les 10 piliers d'une entreprise solide ici et également de nombreuses autres méthodes et techniques exclusives qui vous permettront de créer, de développer votre entreprise avec succès, atteindre votre objectif, gagner votre indépendance et votre liberté, vous accomplir et réaliser votre mission de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très vite. Abonnez-vous également à la chaîne et cela vous permettra également de ne pas rater les prochaines vidéos. Merci encore une fois et à très bientôt.